Grâce à la réplication smartphone, vous pouvez utiliser les applications compatibles de votre téléphone directement sur l'écran central de votre véhicule via Android Auto si vous possédez un téléphone Android et CarPlay si vous possédez un iPhone. La réplication smartphone peut se faire via Bluetooth ou en branchant votre téléphone sur le port USB de votre véhicule. Avant de connecter votre téléphone, vérifiez que le Bluetooth est activé et visible. Véhicule à l'arrêt, rendez-vous dans le monde application de votre système multimédia, puis sélectionnez « Gestionnaire d'appareil ». Cliquez ensuite sur « Associer un nouvel appareil », puis sélectionnez votre téléphone dans la liste proposée. Un message apparaît à l'écran du système multimédia ainsi que sur le téléphone, vous invitant à accepter la demande d'appairage. Le système multimédia vous propose d'utiliser le service Android Auto ou CarPlay. Cliquez sur « Oui ». Cliquez ici pour mémoriser votre choix. Si vous avez sélectionné « Oui », la réplication de votre téléphone se lancera à chaque démarrage si votre téléphone est reconnu par le système. Notez qu'une fois votre smartphone appairé, vous pouvez choisir les services que vous souhaitez utiliser « Téléphone »,« Médias » et « Réplication ». Si votre téléphone est déjà enregistré dans le système, il vous suffira de cliquer directement sur cette icône pour lancer la réplication. Enfin, vous pouvez également répliquer votre téléphone en le branchant au port USB de votre système multimédia. Les applications compatibles de votre smartphone apparaissent alors sur l'écran multimédia. La réplication smartphone prend la place du monde « téléphone » et cette icône apparaît. Vous pouvez ainsi programmer un itinéraire, lancer un appel, accéder à vos messages ou lancer votre musique. Ces applications se substitueront aux applications similaires intégrées à votre système multimédia déjà lancé. La reconnaissance vocale de votre téléphone est accessible en effectuant un appui long sur cette touche de votre volant. Vous pouvez également utiliser l'assistant vocal de votre téléphone en vous adressant directement à lui, sans appui sur la commande, en prononçant « Dis Siri » pour CarPlay ou « OK Google » pour Android Auto. Notez qu'il est aussi disponible depuis cette touche sur l'écran Android Auto. Enfin, si vous souhaitez retourner sur l'interface de votre écran multimédia, cliquez sur cette icône ou sélectionnez le monde dans lequel vous voulez aller.